Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien qu'on peut le voir aujourd'hui, on va s'attarder sur le meilleur Uno du monde. Un Uno consacré ici à Dragon Ball. Donc vous pouvez le voir ici sur la boîte, licencié Dragon Ball Super. Pourquoi je ne vous ai pas fait le déballage un peu plus tôt? Et bien pour la simple et bonne raison que j'attendais une extension. Voilà, il existe une grosse extension de ce jeu là et je ne l'ai pas reçu au final. Écoutez, je m'attarde uniquement sur ce paquet là. L'extension, je regarderai à l'intérieur voir s'il y a quelques cartes différentes. Au pire, je vous ferai un second déballage. Donc ici l'arrière, voilà, rien de spécial. Ils disent le nombre de cartes et compagnie. Bref, c'est du Dragon Ball Super. Plutôt du Uno à la sauce Dragon Ball Super. C'est sorti début novembre 2016, vers le 5 novembre, si je me souviens bien. Et c'est vendu à 1400 yens. Bref, on arrête de parler et on découvre ça ensemble. Allez, un petit coup de cutter et on y va. Donc à l'intérieur de la boîte, des cartes. Forcément les règles du jeu. Hop là, Uno, ça ne change pas. Plutôt cool. Voilà. Gros papier. Et puis les cartes ici. Ah, c'est sympa. J'aime pas, premier coup d'œil, j'aime pas la colo. Je déteste un peu cette colo un peu grotesque qu'on voit souvent dans les packagings des Pulse et compagnie. Mais bon, écoutez, ça reste quand même sympa de voir ce genre de produit pour s'amuser avec des potes, voilà, à Uno, mais à la sauce Dragon Ball. Alors, le paquet, il s'ouvre comment? Hop là, la petite languette. Boum. Hop là, le petit paquet. Ça s'enlève. Alors, premier paquet, jetons un œil. Ici, Milai Trunks. Du Trunks. De la Bulma. Plutôt cool. Ici Krillin, Goten, bon bah vous le voyez de toute façon, nous sommes bien dans Dragon Ball Super, du Piccolo, du Vegeta en Super Saiyajin, God Super Saiyajin ou Super Saiyajin Blue. Ah, le Goku bien sympa ou pas, je sais pas, il a un problème au niveau du cou j'ai l'impression, mais ça reste cool. Whis, Golden Freezer, Ito, Mister Satan, voilà, après bleu. En fait, au final, on retrouve exactement les mêmes personnages, mais avec des couleurs différentes. Voilà, le Whis, le Golden Freezer. Ok, on a des cartes bonus ici. On a Black. Écoutez, design assez particulier, colo que je n'apprécie pas vraiment, mais bon, au final, ça reste encore une fois très très sympa, je trouve. Ça donne envie de se mettre avec des potes autour d'une table et de s'amuser comme des petits fous à ce jeu-là. On va découvrir quand même le second paquet. Je pense que c'est exactement la même chose, sauf au niveau des couleurs, voilà. Hop là, on dégage tout ça. Donc le Trunks, on l'a vu. La Bulma, on l'a vu. Je suppose que l'extension, du coup, c'est à peu près la même chose. Voilà, à savoir les... Oh, toi, t'as l'envers. À savoir les mêmes personnages ici. Whis, voilà, je vous les mets en gros plan. Cette fois-ci, Golden Freezer. Voilà, ça reste tout de même sympa, franchement. Ça change du Uno classique. Je veux dire, pour 1400 yens, pourquoi s'en priver? Franchement, c'est cool. C'est plutôt cool. Voilà, différentes couleurs. Hop là, quelques cartes. Ici, Champa et Bills. Et puis, c'est tout, voilà. Hop là, en rassemblant tout ça, on peut faire une bonne petite partie. À combien? Je sais même plus de ce côté-là. On peut jouer de 2 à 10 personnes, il précise. Mais bon, avec si peu de cartes, voilà, je pense qu'il faut l'extension, quoi. En tout, voilà, il y a 112 cartes. C'est précisé, à l'arrière. Voilà, 112 cartes pour faire une petite partie de Ueno. C'est plutôt cool. Voilà, j'espère que ce petit déballage vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan du début à le Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.